Just shut the motherfucker. Salut tout le monde, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo. On attaque notre épisode 8 de notre Let's Play sur Dead Space. Et je vous reprends exactement, mais vraiment exactement là où je vous avais laissé la dernière fois, à savoir dans la salle avec le verrou de point de force à l'entrée. Et dehors, il y avait une salle pleine de cadavres. Ah, c'était un bras qui m'était tombé dessus la dernière fois, ok. Plein de cadavres que j'ai démembrés. Oula, ne... Putain, ne pas marcher sur les... ne pas marcher sur les dalles avec les problèmes de gravité, ce serait problématique. Donc, important, donc j'ai quand même vérifié s'il reste pas d'autres cadavres. C'était quoi ce bruit? Non, sans déconner, c'est pas marrant là, les mecs. C'était quoi ce bruit? Ok, c'est un bébé. Un bébé, enfin je me comprends quoi. Reviens là. T'es passé où? T'es là. Voilà, ça c'est bon. Le mini kit de soins, je n'ai rien à secouer. Ouais, ouais, ouais. Et donc... Ah, j'ai oublié de relancer le timer. Autant pour moi. Donc, bon bah, on va avoir 2 minutes de plus, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous n'allez pas vous plaindre. On va donc activer ça et se préparer à la baston. Transfert d'énergie au système de défense. Circuit des systèmes de contrôle rétabli. Ça a l'air de marcher, on y est presque. Voilà pourquoi est-ce que... Voilà pourquoi j'ai démembré tous les cadavres... la dernière fois et que je me suis assuré qu'il en restait pas. Je crois qu'il en restait. Merde. S'il en reste, je suis dans la merde. Non, c'est bon, je crois qu'il en restait pas. Quoi, c'est tout? En fait, il n'y en avait qu'un seul de... Il n'y en avait qu'un seul qui transformait les nécromorphes. D'accord, ok, j'ai rien dit alors. Faut aller par là, mais alors, par là, il y a quoi? C'est l'informatique. C'est quoi cette zone? Je l'ai jamais découverte. Alors, message. Je vois qu'il y a une infection répandue, spectaculaire, moins d'une heure. D'abord, pont, lancement. Le crash navette, puis nous avons perdu la moitié de l'unité médicale et un quart de l'ingénierie. Aucune réponse, méchant vraiment. Mauvais signe, ça ne devait pas se passer comme ça. Oui, là, pour une fois, je l'ai lu, parce que c'est une zone que je ne me rappelle pas avoir déjà vue. Avoir déjà exploré dans les parties précédentes. C'est bon ça! Putain, c'est génial! Bon alors, évidemment, il y a des chances pour que il y ait une bestiole qui me saute à la gueule. Même pas. Même pas. Oui, non, oui, non, oui, non, non. Non. Bon, bah on se casse. Bon bah j'ai eu un point de force gratos, ok. Donc, là par contre il y a une bestiole qui va me tomber dessus. Non, même pas, oui, non, oui, non, je sais pas. On va se retourner, vite fait, hop. Non, créature. Et donc je sais pas si vous avez remarqué, je suis passé à 90 secondes d'oxygène. Ce qui est carrément mieux. Alors, donc, voyons voir. Mais là, il faut que je monte, sauf que je pense qu'on va d'abord aller au niveau 2. Donc, visiblement, d'après le message que j'ai lu rapidement, l'infection se propage super rapidement, évidemment. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été submergés, terriblement submergés. Alors, est-ce qu'on est au bon étage? Et non, c'est-à-dire qu'il faut encore monter, et donc je sais exactement ce qui va se passer. Et ça va être rock'n'roll. Et surtout, encore une fois, je vais vous montrer que ce jeu exploite à merveille les stéréotypes et les clichés, et autres clichés des films d'horreur et jeux d'horreur. Ah, ce jeu est tellement bien. Je m'en lasserai jamais en fait. Il est trop bien. Voilà.
Narmel. Ici Temple, passerelle foutue. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je n'ai aucune envie d'attendre sagement pour le découvrir. Je vais vers la salle des cultures. Trouvez Elisabeth. Salle des cultures, je sais où c'est. Mais c'est pas pour tout de suite. Est-ce que... Bon, pire, ça bougera pas. Ah, murmure comme ça, c'est bon, ça. Je me lasserai jamais de ce jeu. Il est franchement excellent. L'ambiance est excellente. Allez. Et oh. Tu te calmes, direct. Putain, sa mère, la chaîne vite. Il est pas mort en plus. Ok, d'accord, si tu veux. Bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup de créatures là. Enfin, de créatures. De sensu. Ah, mais. J'avais pas vu celle-là. Ok, Bruno, alors. Alors, mission fusée d'assaut, je n'ai rien à secouer, sérieusement. Et. Là, c'est juste ça qu'on doit activer, sérieux. J'étais persuadé que plus. Bon, non. Ok. Système de défense prêt pour utilisation. Sauf que, évidemment, ça marche pas. Mais la vidéo automatique du canon est foutue. Oh. Je pense que c'est juste un problème de câble. Manœuvrez le canon pendant que j'essaie de réajuster ça. Évidemment. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet du vaisseau, puis accédez au canon. Donc c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Je me rappelle de ce couloir, il est vachement flippant, mais en fait non. Donc on va aller d'abord à l'entrepôt 47. Alors c'est pas que ça commence à me saouler d'être plein comme ça, mais un peu beaucoup donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais griller ça. Hop. Voilà, très bien. Et on y va. Et là on va avoir une scène vachement, je vais pas dire chiante, mais délicate du jeu. À savoir essayer de protéger le vaisseau. Et je pense que je vais galérer un tout petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Isaac, vous allez devoir passer par l'extérieur pour rejoindre le canon de défense. Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à couvert ou elles vous tueront. Ce qui est plutôt normal. Donc, on va rentrer dans une zone sans gravité et sans oxygène. Alerte. Impact multiple détecté sur la coque externe. Voilà, donc quand ça vibre comme ça, il faut se protéger impérativement. C'est un petit peu comme dans Star Wars Force Unleashed, le passage dans le Rancor. Ce qui est marrant puisque je viens de le faire, et là je vais pas avoir le temps. Si, je vais avoir le temps. De Just. Alors là par contre bizarrement, contrairement à Star Wars Force Unleashed, je suis beaucoup moins gourmand parce que je sais très bien quels sont les enjeux. Donc autant éviter de se tuer bêtement. Surtout que là par contre, contrairement à Star Wars, je vais mourir là, je vais pas y arriver, si je vais y arriver. Je suis limité dans le temps, parce que là il me reste déjà plus que 40 secondes d'oxygène. Et je suis un petit peu plus que à mon parcours. Allez, tu peux le faire. Alors normalement je devrais pouvoir le faire également. Comment dire. Sans. Bon, il me reste 20 secondes, ça va être chaud patate. Oula, ça va être chaud patate les amis. Il reste 15 secondes. Allez Isaac, tu peux le faire. Ouf,
ouvre-toi, Sésame. Sésame, ouvre-toi. Sortie zone sans gravité. 5 secondes. Referme-toi. Referme-toi. Sortie zone sans air. Oh putain. Oh putain, les amis. C'était chaud patate, hein. On va sauvegarder, puisque là, ça va être la partie un petit peu chiante. Alors, il y a un semi-conducteur rubis qui coûte plus cher que le semi-conducteur or, qui est juste à mes pieds. Sauf que... j'ai pas envie de sacrifier quelque chose que j'ai sur moi pour pouvoir le prendre. Donc, on y va. Et là, ça va être rock'n'roll, les amis. C'est bon, Isaac, vous y êtes. Okay. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Alors, je parle pas beaucoup là parce que c'est un petit peu déjà assez bruyant. Et en plus, faut que je sois méga concentré. Merde, ça chauffe. Non, j'avais pas vu. Putain, je suis chaud. Yes. Oh, GG. Joli tir, Isaac. La visée automatique fonctionne et va sécuriser notre orbite. J'ai oublié de cligner des yeux. Je réactiverai l'autopilote. Dirigez-vous vers le tram et je vous retrouve là-bas. J'ai oublié de cligner des yeux. Vous y croyez ça? J'ai oublié de cligner des yeux. On va sauvegarder quand même, parce que là, mine de rien, c'était un sacré exploit que j'ai fait sans nous faire toucher, comme ça, c'est la classe. Allez, on y va, on décroche. Et évidemment, vu que c'est scripté, comme toujours, là il y aura des mobs. Et là j'ai plus besoin de me protéger puisque... Allez. Oh, il est pas mort, pas bon ça. Voilà, très bien ça. J'ai plus besoin de me protéger puisque, évidemment, le canon a pris le relais. En automatique. Mais oh! Putain, depuis tout à l'heure je tire à côté quoi. Bon bah au moins comme ça je risque pas d'être en excès de munitions vu comment je vise comme un pied. C'est clair. Hein. Bon. Et bah on continue. Hein. C'est... Je vous jure, là normalement ce passage là était super tendu, mais j'ai eu vachement de chance. Et... pourquoi est-ce qu'il y a des morceaux de... nécromorphes ici? Ok. Normalement il était super tendu ce passage là. Mais je sais pas par quel miracle j'ai réussi à le faire assez efficacement. Nickel. Hey. Isaac, Hammond, j'ai une mauvaise nouvelle. L'oxygène baisse dangereusement. Quelque chose infecte l'air produit pour les cultures hors sol et quoi que ce soit, c'est en train d'envahir le pont de cette saleté. À ce rythme-là, on va bientôt manquer d'air. Mais si je comprends bien ces analyses biologiques, je pense pouvoir fabriquer un poison pour la détruire. Allez à l'infirmerie, il y aura tout ce qu'il faut. Il manquait plus que ça. Isaac, allez à l'infirmerie et faites tout ce que vous pouvez avec Kendra. Je vais à la salle des cultures.
Si je peux la ralentir, ça nous laissera un peu plus de temps pour combattre. Oh putain, je me rappelle de ça. Chute. Touché. Vas-y. Oui, c'est une tête. Vous ne rêvez pas, c'est une tête. Et là, on devrait y avoir les mains aussi quelque part qui devraient traîner. Voilà. Voilà. Évidemment, normalement, il y a le reste du corps qui va avec, mais là... méga picker. Bon, à la limite, hein, vu que j'ai la place sur moi, je vais en profiter pour tout le monde. Hein. Alors, on va au niveau 2. Et mine de rien, on va arriver... là, on est à la fin de l'épisode. Enfin, de l'épisode. Du niveau, plutôt. Donc, on va empiéter sur le niveau suivant, histoire de faire une vidéo quand même qui soit pas trop courte. Et on va s'arrêter gentiment. Alors, est-ce qu'il va y avoir des créatures qui vont tomber sur le point durable? Je me rappelle pas. Si, je me rappelle, mais ça va être ici, ça va être là. Voilà. Non, même pas. C'est pas normal ça. Bref, on s'en fout. Ok. Oui, méga P.K. Alors le méga P.K. c'est quoi? C'est amplificateur de télékinésie. Ouais, c'est mieux que le macro P.K. Tant qu'à faire, hein. Quoique, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Je sais plus. Bref, on s'en fout, on verra bien. Dent de trancheur, placement, yamania, point de force. Je peux acheter les points de force, c'est vrai. Ce que je vais faire par contre, c'est je vais stocker. Voilà, j'en stocke 4. Ça me libère 4 places d'un coup. Alors là. Oui, alors. Ah, j'aurais pas dû le prendre en fait, le macro PK. Ah ouais, non, j'aurais pas dû le prendre. Je pensais que c'était simplement une extension de la télékinésie, mais en fait non. Donc bah écoutez, on va le revendre. Hein. J'aurais perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Donc, inventaire. Mega PK. Tant que c'est pas le cutter plasma que je vends, ça me va très bien. Voilà. Très bien ça. Ah bah voilà. Toujours garder son calme. Ok. Ça va, ça paye bien. Ok, bon. Eh ben, on y va pour... ça va être quel épisode, là? Enfin, pas quel épisode, quel niveau, plutôt. On va vite voir ça, de toute façon. Donc, nous terminons, je crois que c'est le niveau 4. Enfin, le chapitre 4, et on va commencer le chapitre 5. Ouais, c'est bien ça. Et donc, direction l'infirmerie. J'espère que c'est pas l'aile médicale, parce que si c'est l'aile médicale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Je vais pas apprécier du tout en fait. Dis-moi que c'est pas le médical, dis-moi que c'est pas le médical, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-moi plaisir, dis-moi que c'est pas le... Dévotion fatale. Oh putain, c'est le médical. Oh non, non, je sais ce qui m'attend et je veux pas y aller. Donc, l'aile médicale, je sais pas si vous vous rappelez, on y était déjà allé dans l'épisode 3. Isaac! Je commence à sentir l'air contaminé d'ici. Ça se répand plus vite que ce que j'avais prévu. Je fais ce que je peux pour le contenir, mais ça ne va pas nous sauver longtemps. On doit éjecter ce truc du vaisseau. Les produits dont tu as besoin se trouvent au labo. J'ouvrirai la porte quand tu y seras.
Donc, on va arriver à l'endroit exact du pourquoi, du comment je déteste la médicale. Et ça se limite en un seul et unique mot. Personne n'arrête sa volonté. Le grand ordre naturel. Êtes-vous ignorant comme les autres? Donc je disais, la raison se limite à un seul mot. On dirait que quelqu'un a tout verrouillé sur ce point. Tout récemment même. On ne doit pas être seul à bord après tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on accède à ce secteur. Donc la raison pour laquelle je déteste cet endroit-là se limite à un seul mot. Ubermorph. Et tous les joueurs de Dead Space savent très bien ce que c'est que l'Ubermorph. Mieux ça. Alors, prochain point de sauvegarde, je vous dis tout de suite, on va s'arrêter. Parce que là, l'Ubermorph, je me sens pas de le faire maintenant. Je me sens pas du tout de le faire maintenant. Ok. Super chiante. Ok. Elle est pas encore morte. Voilà. C'est tout. Saleté, va. T'aurais pu me donner plus, hein, je sais pas. Attendez, il y a un point de force là-bas derrière. Je l'avais pris, point de force. Que pourquoi? De quoi cette arnaque? Bon, je sais que là on est à 21 minutes. Même un petit peu plus, puisque j'avais oublié de relancer le timer tout à l'heure. On doit tourner à pratiquement 24 minutes, comme ça. Peut-être un petit peu tôt, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un bébé derrière. Voilà. Ok. On y va. Non, pourquoi est-ce que je l'ai pris sérieusement? Non. Ça, c'est caca, c'est pas bon. Voilà. On reprend de la stase. On passe, tu te rapproches du et on sauvegarde. Et après, quand je vous laisse. Quand tu auras ce qu'il faut, tu devras aussi trouver un extrait ADN du tissu organique. Je vais fouiller les registres. Je vous dis sans aucune honte, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, envie d'affronter l'Ubermorph. Sérieusement. C'est une plaie, ce truc-là. Mais bon, ce sera dans l'épisode, dans l'épisode suivant. Donc sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez suivre la série, et donc voir ce que c'est que l'Ubermorph. Et puis de toute façon, ça prend que quelques secondes, et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.